يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فيوم السادس والسلام تغادر حرب أسماء قاتنياء الله سبحانه وتعالى هو كم تتفاوية qu'il y fait faire, il y a encore fait faire et qu'il demande de vous continuer à faire en nous. Nous, les enfants Adam en général, nous, les iman en particulier, nous qui fait connaître l'islam comme dit, nous qui fait accepter l'islam comme dit, et nous qui nous demande Allah, un parmi les plus grands droits. Qu'il n'a pas fait une petite salatée à excepté l'eau dans l'islam et excepté avec l'iman. Frères en islam et sœurs en islam, le thème qu'ils m'ont fait choisir pour sa propagande aujourd'hui est plutôt relatif avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis donne-moi l'occasion, dans sa quelques jours, dans sa dizaine de jours, qui m'ont fait traverser dans un pays avec un peuple. Sa situation-là, ça l'a vie qui s'est mal on l'a fait amener. Fin fait à moi, parmi ma analyse, parmi ma leçon, qui moi personnellement m'ont fait tirer avec mon séjour dans ce pays, dans Madagascar, m'ont fait trouver les bons, comme un rappel pour moi-même et comme un rappel pour ma frère. En vérité, nous, les musulmans, aujourd'hui, nous avons beaucoup de fitna alentour de nous. Nous, les musulmans, aujourd'hui, nous entourés avec la fitna. Il ne faudrait pas nous oublier, ma frère et ma soeur, nous pouvons vivre dans l'époque fitna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une prédit à cette époque-là. Il fait une prédit à cette époque-là. C'est une prédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est l'époque pour venir l'homme du monde de Mohammed, l'époque fitna, et qui pourrait être une fitna. Pourrait être une fitna, mais dire quelque chose qui corrompt du monde.
quelque chose qui gâte l'esprit du monde, quelque chose qui égare du monde, quelque chose qui prive du monde, depuis la pensée d'Allah, depuis din Allah, jusqu'à même les coquins iman du monde. Les chrétiens, les enlèvent l'iman du monde depuis dans les cœurs. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait prédire qui à l'époque pour venir l'homme au mat qui appelle l'époque fitna quand poéna ban fitna qui à tel point je te fond à tel point je te influence ban du monde qui est dans du monde les pour lever le matin avec iman quand la nuit peut rentrer les débuts et la iman. Il faut dormir le soir avec iman. Il faut prendre nom Allah. Il faut être sur les corps au matelas. Dans l'espace ennemi, quand il faut lever le matin, il est déjà infinitum dans le coffre. Frère en islam, les soeurs en islam, les pas en badinage, perdit iman, pas en badinage, perdit la case, perdit madame, perdit enfants, perdit l'argent. Par appel fitna comparé avec perdu l'iman perdu haq tombe dans la lettre prend distance avec la vérité éloigné depuis la vérité éloigné depuis l'iman et ben qui n'a l'iman dans notre cœur. Frère en islam et soeur en islam, quand nous faisons une situation, ça peuple-là, quand nous faisons une analyse, l'état dans lequel ça peuple-là était, un parmi les faveurs qui nous, les musulmans de l'île Maurice, nous fait jouir, et qui Allah fait prive ça peuple-là, mais seulement, ça peuple-là livré, un parmi les faveurs qui Allah fait prive, c'est faveur richesse, faveur d'argent. Mais seulement en vérité, quand vous dites l'absence de cette chose-là, on trouve comment on le dit, a blessing in disguise. Quand vous dites l'absence de la richesse, comment faire un peuple réagir? Cette mentalité, cette relation avec Allah, cette relation avec ce dit, cette l'intérêt pour la connaissance islamique. J'ai la soif pour l'iman. Quand Allah fait prier sa peuple-là depuis la richesse, sa petite chose-là, les visibles dans ce visage, les visibles dans ce entourage, les visibles dans ce fitna de l'argent, fitna de la richesse. Si j'en dis qu'on nous compare, nous, société en voie de développement, société qui peut témoigner d'un développement rapide, mais seulement nous ne pas en compte, nous ne pas en compte qui nous donne la lumière et même courant, nous donne une société purement matérialiste et elle parmi les plus grands dangers dans une société matérialiste, dans une société qui peut développer à toute vitesse un développement matériel et là ce qu'on appelle fitna richesse. Fitna dunya, fitna richesse, fitna l'argent. Mes frères et mes sœurs, la pauvreté faire un peuple approche avec Allah. La pauvreté faire un peuple content Allah. La pauvreté faire un peuple comparé Allah. La pauvreté faire un peuple connaît qu'à faire l'iman. Qu'on fait la différence entre l'iman avec dunya, avec kufr. Mes frères et mes sœurs, le fin cité à Yaqub 1 dans l'introduction de sa khutbah pour montrer au qui Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même qui donne richesse, c'est lui-même qui porte la richesse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait un pays le plus riche ou bien un pays le plus pauvre. Ça c'est Allah qui fait ça, ça c'est pas le gouvernement qui fait ça, c'est pas le gouvernement qui choisit pour faire ce pays le riche ou bien pour faire ce peuple de misère. Nous, insans, nous capables de dire, mais seulement, rizq, richesse, ça dit dans la vie Allah subhanahu wa ta'ala.
L'abordage de la richesse, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala son travail. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui aussi nous peut trouver à la lumière de mon hadith, mon frère et ma soeur, qui le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fait n'avertir sa ummat-là. Lui fait n'avertir sa ummat-là. Aujourd'hui, il est prêt quand on nous compare sa peuple misère, sa peuple pauvre et sa peuple, sa société de man qui vit dans le confort et dans le luxe. Aujourd'hui, il est prêt nous dire Alhamdulillah, nous dormons bien, mais seulement nous pétrons si nous bien-être, mais seulement Shaytan peut empêcher nous trouve le danger. Shaytan peut empêcher nous trouve le danger qui peut guetter nous en face. Frères en islam et sœurs en islam, dans Surah 8, ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa'lamu. Connais, Allah t'adresse à la race humaine, wa'lamu, connais, annama amwalukum, qui se richesse, annama amwalukum wa awlaadukum, et je demande aux enfants, fitna, c'est un fitna pour eux. Connais qui, je richesse et je demande aux enfants, c'est un fitna pour eux. Wa anna Allah, et qui Allah subhanahu wa ta'ala, indahu auprès de lui, auprès de ce dit, auprès de ce l'enseignement, indahu ajran azim, ajran azim est une grande récompense. Frère en islam et sœurs en islam, dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait averti man dimoun, fait averti man dimoun contre fitna, fitna de la richesse, fitna d'un système capitaliste, un système matérialiste. Allah me met en garde man dimoun contre une société qui fait faire de cette priorité dans la vie, ce développement matériel, tout en délaissant ce dîme, tout en délaissant la spiritualité, tout en délaissant faire souci, tracas, la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui vient après la mort. Frères en islam et sœurs en islam, au bout d'accord avec moi, si, avec un esprit posé, ou réfléchir une société d'aujourd'hui. On peut trouver que toute chose, toute décision qui dit mon prend dans la vie, toute décision qui dit mon prend dans la vie, excepté celui qui a la fin, il y a pitié pour lui, excepté celui qui a la fin, sauve lui. Aujourd'hui, toutes nos décisions, les régler avec nous, garder la vie, nous la vie matérielle. Aujourd'hui, là, nous devons le janvier. Dis-moi, nous pouvons choisir l'école pour ses enfants. Même ses enfants qui feront l'école matérielle. Dès qu'il a été, dès qu'il niveau l'école lui fait rentrer, l'idée maternelle, jusqu'à là, à partir de là, papa là, parce qu'il une bonne école pour nos enfants sortir avec un bon certificat. Qui était, qui dit chose qui fait des jeunes comme ça? C'est l'argent. Il dévise la richesse. Les bébés d'Ounia, qu'il soit l'école primaire, qu'il soit sans problème de faire CPE, qu'il soit les faire secondaire, fait choisir un collège pour ses enfants. Chers frères et chers sœurs, ça est l'exemple. Un exemple. Aujourd'hui, dis-moi, ça fait le pivot de la vie de Baltimore. Parce qu'il fait, ça c'est l'objectif. L'objectif d'un système capitaliste, l'objectif de ban qui construit une société matérialiste, aujourd'hui, je permets de nous ensemble dans ce courant-là, mais seulement nous en tant que musulmans. Allah fait averti nous, wa'alamu, connais, apprends, ouvrez-les, guettez, soyez vigilants. Al-Mal et Al-Awlad, tout bonne richesse et tout bonnes enfants. Une fitna pour toi. Quand Allah cause fitna, Allah pas cause fitna, défaite dunia. Allah pas cause faire défaite, business fermé. Allah pas cause la case de la case béton de la case tôle. Parce que Allah fait appel fitna. Allah fait appel fitna. Tu perds ton iman, tu perds ton din. Tu oublies Allah, tu quittes din Allah subhanahu wa ta'ala. Tu quittes le droit chemin. Tu quittes sirat al-mustaqim à cause dunia. Pour gagner un petit bout de dunia, tu peux vendre ton din. Pour gagner un petit bout de dunia, à cause de quelque chose, tu peux vendre ton akhida. Tu peux vendre la vérité. Tu peux tourner les mains avec la vérité. La cause quelque chose. Ça, c'est la fitna qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait poser.
dans 10e ayat, mon frère et ma soeur, à surah 18, ayat numéro 46, Allah subhanahu wa ta'ala, il rédit la même petite chose encore, al-mal ou al-banoun, la richesse et ben les enfants. La richesse et ben les enfants, al-mal ou al-banoun, zinatul hayat al-dunya, ça, c'est ben l'embellissement de la ville ou la terre. C'est l'embellissement de la ville ou la terre, aux richesses et aux enfants, c'est pas aux priorités, chers frères et chers sœurs. Aux richesses et aux enfants, c'est pas une priorité, c'est pas une décoration. C'est pas une décoration de salariat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, vraie richesse wal baqiyat salihat. Quand tu as une bonne action, quand tu as une bonne action, quand tu as une salat phase, quand tu as une action qui est obligatoire, quand tu as une bonne façon d'agir avec un maman, papa, quand tu as une bonne façon d'agir envers un voisin, quand tu as une bonne façon d'agir envers un petit plus grand qui est le respect pour un petit plus grand, pitié pour un petit plus petit, ça va une action là, wal baqiyat salihat. Khayrun 'inda rabbika, ça les meilleurs auprès de ton Rabb, sawaban de récompense. C'est ça qui m'apporte nous le salut, c'est ça qui m'apporte nous la joie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayrun 'amala, et tant que Allah dit, ça c'est le meilleur espoir. Dis, ça c'est le meilleur espoir, chers frères et chers sœurs. Nous dînes, ça c'est nos meilleurs efforts. Nos vrais efforts, c'est nos dînes. Quelle qualité digne nous vivons. Quelle qualité la vie nous amène en tant qu'être musulman. Ça c'est nos efforts. Nous l'espoir, on n'a pas nos richesses. Nous l'espoir, on n'a pas nos quantités d'enfants qui ont fait qu'il y a où aller. Nous l'espoir, c'est quelle qualité amal nous fait faire dans la terre Allah. Quelle qualité aqida nous fait l'éna. Quelle qualité l'islam nous fait pratiquer. Quelle réaction nous garde envers. Ben, nous disons pareil comme à nous. Quel musulman, quel non-musulman. C'est l'eau là qui est l'espoir. Et ça, l'espoir là, le meilleur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour un qui n'a iman. Frères en islam et sœurs en islam, dans Sourah 63, ayat numéro 9, avant de dire ça, ayat là, mon frère, permettez-moi de vous dire, tout à l'heure là, qui, quand on finit cette situation, ça va nous dire là, et vraiment, quand on prend ça, on va aller prendre Allah, mais comment dire, on peut prendre un puzzle, on peut placer, et quand on prend ça, on va aller prendre Allah, on trouve vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, dans sa peuple pauvre là, vraiment on trouve, dis-moi, vraiment on trouve, dis-moi, d'où il n'y a pas cette préoccupation. Quand je peux dormir, qui je peux manger, pas de préoccupation. La pauvreté, tu me rapproches avec Allah. La pauvreté, c'est ce qu'on appelle le palais dit. Pourtant, ma frère et ma soeur, un pays à majorité chrétien, un pays à majorité chrétien, on vous dit, vous exagérez. Si vous dites, comme ça, vous ne faites pas le même. Quand est-ce qu'il traverse un pays le 31 décembre ou bien non. Si vous vous dites, vous ne vous exagérez. L'ambiance, Noël, l'ambiance fin d'année dans la pleine mer, qui est beaucoup plus que l'ambiance dans Madagascar, un pays à majorité chrétienne, comparé avec un endroit à majorité musulmane. La richesse, c'est un fitna. C'est richesse qui me fait du monde désobéissable là, jusqu'à sa limite là. N'a pas fait faire différence en chien avec couf. N'a pas fait faire différence en halal avec haram. Mon frère et ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourah 60, ayat numéro 9, Ya ayyuhalladhina amanu, ô bakina iman, la tulhikum, quand Allah qui veut dire, la tulhikum, n'apalèche, divertis-eux, déviez-eux de l'attention, déviez-eux de l'esprit, déviez-eux de même, la tulhikum, amwalukum, votre richesse. Voilà, auladukum, et non plus de bons enfants, an dhikrillah, depuis la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas laissé de richesse et mis de enfants, déviez-en depuis la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et t'en Allah qui dit, wa man yaf'al dhalika, celui qui fait ça, celui qui son richesse et ses enfants, déviez-en depuis la pensée d'Allah, déviez-en depuis son islam, depuis son ibad, depuis son faraz. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون سبن مما سبن بيدا
سبنا سبان كيفين فيا ديفيت سبنا سبان كيفين فيا كيفين فيا لا فيت بصورة نف أي البنكر الله سبحانه وتعالى جيء قل جيز محمد صلى الله عليه وسلم إن كان آباؤكم وأبناؤكم شي زبان بابا بجيء زبان كونجمون زبان أنسيق وأبناؤكم زبان زنفان وإخوانكم زبان فخير وعشيرتكم زبان بروش فالكنا غلاشون تسان بكزب وأموال اقترفتموها ان ريشيس زب لازم كي زب بوسيدي زب لازم كي زب فخير سا بو موسا موسين جايسا وأموال اقترفتموها وتجارة زب كوميرس تخشون كسادها كي زب بيبير لكوفير فايد شي زب فير Je te pépère s'il avait une nouvelle, je ne t'ai pas peur, si c'est pas même pas le couffard, je te pépère attends son bien défait, si je te pépère, je te battant dans l'air qu'il disait. Et maintenant, l'extrémiste, quand il dit, Bandai, extrémiste, quand il dit, si Allah extrémiste fait comme moi, et si Allah extrémiste, et si Allah appelle à l'extrême, et si Allah par connaît, qui m'a dit, si Madeline Maurice, je vis dans le pays de une question de iman, une question de conviction. Chers musulmans, chers musulmans, faire attention. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Les dieux vous demandent peut-être capable de vous coller, mais seulement parce qu'il nous a une responsabilité. Un jour, nous pouvons faire face avec Allah. Comment nous pouvons faire face avec vous? Nous pouvons être bon devant Allah. Nous ne pouvons pas capable de cacher tout, nous ne pouvons pas dire oui. Et il y a beaucoup de musulmans qui développent l'attitude juive. سمعنا وعصينا ننتظر سكي ونجي مثل ما نبو دي جوهية سمعنا ننتظر ننكوبر فوزا فلو فلوزا فيري سلام الزيت سلام غازة دا كوميس فاقوط دي بخوط دا كوميس سمعنا وعصينا نفين تاني مثل ما نقول ديزوبية ساكسنة تفيدية سبع مغير مكسير الله سبحانه وتعالى دير إنما المؤمنون بانتنا إيمان في سابلما إذا دعوا إلى الله ورسوله كما فين جذبه الله ورسول جذب ريبونس قالوا جذبية سمعنا ننتاني وأطعنا نبوه بيه فرم الإسلام سرم الإسلام Et si on veut faire une idée, un prophète monte au minbar, il prend une bague d'eau qui s'y dans les doigts, parce qu'il partit encore au faire les bin haram. Il dit à sa bague d'eau là, il dit à partir à Zodi, sa bague d'eau là, les haram, le banjoum de Mohammed, les écrits. Il dit à sa bague d'eau là, l'eau, ça n'a pas fait mal, l'eau. Parce qu'il a une bine haram, l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est fini, un parmi les sahabas dit oui, fin fait haram pour mes clés, mais qu'est-ce que ça se dit? Un autre sahaba répond lui dire ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin fait. من نفقه قتول غير سكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في التأمين كانوا له في السبب لما فيها بمكسير كي الله في فيها أنفعيل لأتير الله في الدنزل في الدنزل كونكيري المون سي عمك سكن تيمان لا سي عمك سكن تلوبيسانس لا سي عمك سكن تدين لا سي عمك سكن تكمبرانس لا سي فريا إشي أسير Mais pas mon... Va nous dire, si tout le temps dit, « Samia'na, nous finitendez, wa hasayna, et nous vous désobéir, samana, Allah fait dire dans le Coran, al-maghdoubi alayhim, c'est pas qui n'y a la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa l'abdallin, et pas qui n'y a été égaré auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى في جير وتجارة اقترفتموها ان تجارة ان كوميرس كي تفنى كرية كي تفبير تخشون كسادها تفبير تنشو لفي
الى الطيب ومساكن ترضونها تبان شون ديمير تبان شون لكاز كي تلكينا تخشي avec lui grand matin dans toute opération à miel parce qu'il tellement ton décolli les une priorité dans ton avis tellement ton décolli tellement ton embellie ali ahabba ilaykum tan allah bijia si tout ça là il vient plus je suis plus amoureux en tout ça là je suis plus content tout ça là min allah qui allah qui dit allah qui dit l'islam wa rasulihi et ce message ce l'enseignement ce message wa jihadin an alit un combat wa jihadin fi sabilihi dans ce chemin pour sa cause jihad il bon dieu ali jihad pas de dire absolument faudrait la blâmer et le fils ou bien l'épée qui s'allie confortable là dans les équipes d'adore Allah dans ce jihad appelle jihad baisse la porte ça commence là dans les équipes de pire attention te fais comme dans le final appelle jihad parce qu'il est lourd le nafs crase nafs là juste pour obéir à Allah appelle jihad appelle jihad, appelle le combat dans le chemin d'Allah. Et l'un d'achat pour ton gaillé dans haram. Tu fais extrême ça quelque chose là. Mais la cause d'Allah, pour la prière qui fait pour Allah, tu quittes ça l'invitation là. Peu importe, quitte le monde pour dire quoi. Tu quittes l'invitation là. À cause d'Allah, appelle jihad. Wa jihad in fi sabilihi. Fatarabbasu. Ce qui fait avec le père, ma frère, ma soeur. تن الله كبير فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ألو أتان أتان أسيز أتان فتربصوا زكاكي الله ديزيد دوسو زكاكي الله ديزيد كيف في عليك توا زكاكي الله سبحانه وتعالى ديكريت شلون والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah subhanahu wa ta'ala les n'a pas dit ban qui fin sorti depuis dans son obéissance et ban qui persiste ban passe c'est ban qui persiste dans l'obéissance désobéissance Allah ban passe c'est ban qui après une désobéissance vindé après 2003 après 2004 ça appelle le ban passe ban qui fait continuer fait patouiller dans désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala Allah fait dire si des atan jusqu'à qu'il me décrète tout ça frère l'islam et soeur l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quelque chose qui nous peut dire là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith qui trouve dans Musnad Ahmad ma akhsha alaykum al-faqr mon papé la pauvreté pour je mon papé la pauvreté pour je ولكن اخشى عليكم التكاثر مو بابيه كي بانجي مون دو امه جوت بو ميزير مي كي مو بير مو بير جوت بو مان جوت ميم ان على جيت بوا كي لي ريشيس سان فون دي با بو جاي سان ريشيس با بو دي سان فون بو جاي سان ريشيس فريم سالمان بو بون فريم سالمان بو جاي سان ريشيس لا عين بو كون دوزت لكي لا كوز ريشيس التكاثر اخشى عليكم التكاثر مبي كيف تقول لاكين اون كريزون زيسوا كيمي لو ريشيس ده بروفيت صلى الله عليه وسلم بان بي بوغريتي بو سامون ماتلا باش تي بوغريتي ان رحمه بوغريتي ان بيانيت بوغريتي ان فافير Le prophète d'Allah dit mon papi est pauvreté pour je mon père qui je pour mange mange même la cause qui c'est ça qui le prophète d'Allah qui paye pour sa ummah là أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحديث إن لكل أمة فتنة شك أمة جنا إن فتنة باجيني شك أمة جنا إن كيتشوز كي كيتشكروم سا أمة لا شك بيت البنين dans le passé جنا إن كيتشوز كيتشكروم
وإن فتنة أمتي المال. Ma ummat so fitna, c'est la richesse, c'est l'argent. Ma ummat so fitna, c'est la richesse. Chaque ummat tient une fitna. C'est même quelque chose qui disappear et qui te fait ronge sa ummat là. Ma ummat so fitna, c'est al-mal. Ma frère ou ma soeur, réservez-vous encore quand vous venez sa peuple devant une misère, vraiment. Au patron du monde la guerre, au patron du monde de cité, peine à la haine, la jalousie, pour autant, non-musulmans, coopérer avec le musulman. Si il y a la haine et la jalousie, il n'y a rien à cause d'île. Ça, c'est qu'Allah fait dire dans le Coran, mais on n'a pas trop l'ennemité, la jalousie, rancune dans les guerres. Au patron, leur visage va du monde à cause richesse. Cause richesse, peine à la haine, peine à l'amitié entre bas du monde, peine à même richesse, tout du monde égal, tout du monde misère, tout du monde pauvre, et on trouve vraiment, bah qui vraiment, et là, dans sa pays là, vraiment c'est pas corrompu. Bah qui est là, dans sa pays là, c'est bah qui est carré, bah qui perdit l'humain. Sans l'islam, sans l'islam. Tout cela vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala est aussi souffrir. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ainsi sa vérité, saisisse sa conviction là qui nous vise à l'éna. Saisisse sa conviction là qui nous vise à l'éna. Qui donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, ses paroles le plus vrai. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'icône, situation, insan et sa dunya là. Alors on va le vérifier qu'Allah fait dire dans le Coran, bonne frère et bonne soeur. Nous bisons prendre les comptes, nous bisons retourner vers sa bonne vérité là. Frère en islam et soeur en islam, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, béhabéati, qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, béhabéati sa ummat là, compte fitna, richesse et fitna, enfants. Compte fitna, et vous trouvez que la plupart parce que Allah fait cause fitna, richesse, fait cause fitna, enfants. Qui fait, pour qui raison? Un bon et bonne raison, parce qu'il a aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. S'il est esclave, dunya, la pour autant ses enfants. Pour faire plaisir à ses enfants, les mille esclaves, dunya. On trouve les grands matins tantôt. On trouve les sonamites, ceux qui jouent une mille haine. La cause aux enfants. La cause aux enfants. L'imbrique qui vient à l'engagement envers Allah à leurs enfants. Les patrons sont là, tel bonheur dans son ami, parce qu'ils visent à faire la réunion à leurs enfants. Aujourd'hui, si on trouve, et la dimon, les fins dépassent limite, c'est quand même haram aussi, mais il y a la différence entre richesse qui est halal et richesse qui est haram. La cause est comme prétexte l'idéal, l'INA, au travail pour ses enfants. Les affaires pour ses enfants. Les billets, c'est quand même sur l'engagement obligatoire. La cause aux enfants, la cause quand même qu'Allah porte tout contre les causes fitna al-mal, les causes fitna al-banoun, les causes fitna d'enfants. Frère l'islam et sœur l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui trouve dans Ibn Hibban, Ala inna dinara wa dirham ahlaka man kana qablakum, urban jimun tabu ummat. Kone ki dinara avec dirham, l'argent, richesse. Ça dès là, il détruit avant eux, il détruit avant le peuple avant eux. Wahuma mohlikakum, il peut détruire ceux aussi pareils. Il peut détruire ceux aussi pareils. Ma frère et ma soeur, si nous n'avons pas de problème qui vient lever dans un pays golf, si nous n'avons pas de problème qui vient lever dans ce pays là, si nous avons quelque chose qui n'amène jusqu'à là aujourd'hui, quelque chose qui n'amène ça dans cet état-là, pour faire ce peuple en colère avec ce, même qui islamiquement parlant, je n'ai pas la raison quand je lève contre l'autorité. Mais quelque chose qui n'amène jusqu'à là, c'est l'argent qui nous corrompt pas le kilo de pouvoir. Al-mal, fitna al-mal, et ils coquetteront beaucoup. Ils trop amoureux avec l'argent, ils coquent un jeu de papine à eux-mêmes. Jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une pinceau dans une façon,
in this desert, qui sera le pays? Jusqu'à ce qu'il y a encore, peut subir. Ça va le problème là, parce qu'il finit subir. À l'origine, fitna de la richesse. Et ça va le pays qui peut envier ça va le pays là. Ça va un pays qui fait envier, ça va un pays qui soi-disant, je pas un dirigeant, il fait traite avec ce plat. Quand on trouve la France qui intéresse, avec un qui soi-disant, il fait espagnol, nous autres, il n'est pas intéressé avec le peuple là. Fitna l'argent encore, fitna richesse encore. Si on trouve un dimon inaccepté, ne massacrez pas 300, 400 dimon. Un dimon pour lui donner l'autre, pour tout lui, un dimon, l'on a ce dimon, il n'a pas passé ça. Mais quand il s'agit de fitna mal, quand il s'agit à cause de l'argent, il est tellement facile. Il est tellement facile. C'est sa vérité-là qu'Allah peut dire dans sa banne enseignement là, mon frère, ma soeur. C'est sa vérité-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous dans sa banne l'enseignement qui nous peut étudier, qui nous peut écouter là, mon frère et ma soeur. Alors, sa banne vérité-là, nous écouter avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Alors, nous en tant qu'Iban musulmans, nous en tant qu'Iban qui voulons soumettre à Allah, n'a pas l'esprit, n'a mal. Corrompt nos dînes, corrompt nos imams, corrompt nous l'objectif de la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: ma dinani, ma dambani ja'i'an, ma dhibbani ja'i'an, ma dhibbani ja'i'an, ursila fi ghanamin bi afsal laha min hirsil mar'i على المال والشرف لدينه. Tant sa vérité là, mon frère et ma soeur. Tant sa fitna qu'appelle fitna richesse là. Tant sa fitna là. Quand il prend un dimon dans le kouman, à qui limite il est envahi à sa dimon là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans sa hadith qui trouve dans Firmili: Délez-le affamé. Qui fait l'orge dans un troupeau mouton, car qu'il ou un lélou affamé, fait l'orge des lélous affamés, l'eau un troupeau mouton. Je n'ai pas fait autant ravage, dans ce troupeau mouton là, qui ravage, qui désire d'une personne, et n'a pour la richesse, et grandir, les faire comme ça dans ce dit. Un dimon qui désire la richesse, qui n'a mouru avec la richesse, ravage qui sa richesse là, il fait donc digne sa dimon là, un lélo qui ou l'envie d'un troupeau mouton, et un lélo affamé, il va faire sa quantité de dégâts là, qui richesse, il fait donc digne un dimon. Frère Anselme, sœur Anselme, à qui point Allah permet de nous comprendre que si vraiment on peut envie de trouver le salut dans la vie après la mort, si vraiment on peut envie de reposer, vraiment, comme Aïna écrit, l'autre travail, il s'y repose à elle. Sans écrire, si vraiment on peut reposer, paix à sa fitna que Allah permet-il. Paix à sa fitna la prêche. Frères et sœurs, encore une fois, mon Dieu, il est tellement visible. Si vous finissez l'occasion pour comparer un peuple de Bandimoun pauvre avec un peuple de Bandimoun, qu'Allah a une vie de l'argent dans toute la tête. Mais tellement visible quand vous guettez ça des peuples là. Cette réaction face à votre engagement envers votre quantité de paix à Allah, quantité de pense à Allah, nous résidons encore, chers frères et chers sœurs, dans sa 10 derniers jours au mois de décembre là. Quantité de péché qui beaucoup musulmans viennent faire, c'est sur l'argent qui fait faire ça. C'est sur richesse qui fait faire ça. Et maintenant, sur l'argent qui fait faire zina. N'a'oudou billah. Et dis-moi, je lance une péril comme des péchés et des péchés. Il n'y a pas de même péril à Allah. Attention, il mort dans cette période-là. Fitna, richesse sans père, qu'aucun iman dis-moi. Et qu'aucun dit, il détruit, et pas qu'aucun, il détruit l'iman dis-moi. Il détruit, elle dis-moi. Quelque chose qui est plus précieux qu'Allah fait de lui. Chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous résiste bien pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous résiste le salut.
edeja sa khutbana nubahin nubahin ule nauji Allah subhanahu wa ta'ala ki kun pristo li kia kiena eksepte kuma mu pekeci Allah ko analiz kifeya jimun penipipeya Allah kifeya jimun pedesan daman basis pareil eh bambi ban reso surtout quand la fin de l'occasion vous trouvez avec les yeux c'est parce que nous pouvons croire qu'il y a trop dans le bien-être si vraiment nous gagnons l'occasion qu'est-ce que ça va nous dire là qu'est-ce que l'âme dans lequel nous sommes été ma frère et ma soeur en vérité elle veut quelque chose que nous pouvons payer encore payer avec moi pour dire oh occupez-vous dans ce petit pays là malgré avec tout la misère qui vous fait plaindre et n'a beaucoup fabriqué Allah le monde. Si vous vous dites au persil d'un mastic 5 étoiles, ou pas pour croire moi, elle demande ma frère, car elle donne de l'occasion, elle dit avec ce plaisir. Et surtout, si vous appelez le tawhid, dans sa pays là, si vous appelez le tawhid, si vous l'avez sa aqida, aqida al-sahiha, aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son bon compagnon, les misérables qui vous peinent. Mais c'est aux misères de la dunia, mais aux riches auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous autres, nous riches de la dunia, mais c'est aux misères auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous avons beaucoup de luxe, nous avons beaucoup de confort. Juste nous dîmes qui est malade, juste nous dîmes qui est faible. Ma frère et ma soeur, Al-Hassan al-Basri, il dit dans une parole, « Ma a'azza ahadun al-dirham » إلا أذله الله بين بيسون كي أنو لازم إكسبت كي الله يدلني بيزونير بين بيسون كي فيا ريشيس بين شوبلي كان لونير لا كوز دينا بري بوكو إكسبت كي الله فين ديسان ساتيمون لا دو بري باسيس كي كابا سا سي بارول دو إمام الحسن البصري كان يجب فيا كومبران كي فيا بل سلف سا أمك لا دتبيع لا ريشيس Qui fait que je t'amène la vie à Zogl? Qui fait que je t'y perds? Saman Zimoula, quand richesse tu fais rentrer dans la case, l'homme tu fais couler, je ne pas tu fais rier. Je ne pas tu fais rier. L'homme tu fais couler, quand richesse tu fais rentrer, je t'y fais dire. Fitna fait rentrer. Fitna fait rentrer. Frère Olissam, nous sommes ensemble. Parce que. Apporte l'esclavage Allah et notre esclavage, l'esclavage qui appelle l'esclavage dunia. Et parmi les petites choses qui éloignent beaucoup du monde avec din aujourd'hui, c'est l'esclavage dunia, l'esclavage de la richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit dans le hadith de Bukhari, Ta'isa abdul dinar wa abdul dirham. Malheur à l'esclave de dinar. Malheur à l'esclave de dirham. Malheur à l'esclave de l'argent. Ou à Abdul Khamisati. Et malheur. Malheur à l'esclave de Khamisa. In ordria radia. Si Allah de lui, maman dit qu'on plie, joyeux qu'il y peine. Quand il balance son compte. Quand il y a quand c'est qu'il y a l'âne de lui, plie, joyeux qu'il y peine. Les tartambours, les cosmos. Les sauter, les piler. Wa illa miyota, si Allah prive lui. Si Allah prive lui de la richesse, sahiba, y en colère. Sahiba, y en colère. Taïsa, ou an takasa. Malheur, Ali. Et qui être humilié. Qui s'en a ce doua ça? Doua Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Un esclave donné à quand Allah donne je content, je joyeux. Quand Allah prie, je pour tester, je t'en coller, je me révéler contre Allah. Allah peut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, malheur à sa bonne qualité esclave là, et qui je péris à sa bonne qualité du monde là. Quand on s'en est sur un islam, qu'Allah pardonne nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de ce rappel là. Elle rappelle en premier pour celui qui vient causer. Et elle rappelle pour tout le monde qui vient bien l'occasion d'écouter. Chers frères et chers sœurs, pas oublier dans ça. L'époque qui nous fait vivre, un de mes plus grands fitnas, qui fait corrompre l'imam du monde, qui fait corrompre l'islam du monde, qui fait éloigner du monde avec Allah, c'est fitna richesse.
qu'Allah protège nous. Si nous demandons avec Allah, il n'a pas de défense. Il n'a pas de défense pour demander à Allah, parce qu'il plie qu'on doit que Allah puisse enseigner. Rabbana, atina, fit dunya, hasana. Mais seulement demande à Allah ce qui est bon, ce qui n'est pas comme une fitna pour nous. Demande à Allah richesse, mais pas richesse qui vous met une fitna. Demande à Allah les enfants, pas les enfants qui vous met une fitna. Demande à Allah ce qui est bon. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Et oh Allah, richesse qui te donne-moi, enfants qui te donne-moi, donne-moi ban. Richesse qui vous sauve-moi contre l'enfer. Et ban les enfants qui vous sauve-moi contre l'enfer. Qu'Allah pardonne-nous, qu'Allah guide-nous vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve-nous contre le l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège-nous contre Shaytan, qu'Allah protège-nous contre l'esclavage à dunya là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève l'amour qui cesse d'être dans le cœur, lui mette l'amour pour lui, pour se rassembler et pour se dire, pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous la joie, c'est la joie pour akhirat, nous la joie, c'est la joie pour l'obéissance d'Allah. Que Allah fait moi en colère, juste à cause d'Allah, juste pour dire Allah, que Allah n'a pas fait moi en colère, que Allah n'a pas mis la haine dans nous les terres, vis-à-vis nos frères, vis-à-vis nos bonnes proches, la cause dunia. Que Allah subhanahu wa ta'ala les consolide nous, nos fraternités, nos solidarités, que Allah subhanahu wa ta'ala et les réserve le meilleur pour nous, dans sa tire avec qui vient rester pour nous, et qui lit qui connaît, quand bien terminé, wa sallallahu ala nabiyya Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanahu rabbika rabbil izzati. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين